Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue pour cette petite run sur The Binding of Isaac Rebirth. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris l'histoire, hein, c'est de l'anglais très simple, mais pour les plus jeunes d'entre vous peut-être, en gros, Isaac et sa mère vivaient dans la joie, la bonne humeur, tout ce que vous voulez, dans le meilleur des mondes. Isaac jouait avec ses trucs, la mère regardait des programmes chrétiens à la télé, jusqu'au jour où elle a entendu la voix de Dieu. Enfin, elle a entendu une voix. Et la voix lui dit, pour prouver ta dévotion, tu dois purifier ton fils, car il a été corrompu par le malin, nanana. Donc elle l'a, vous avez vu, elle l'a enfermé dans sa chambre, elle l'a privé de tout. Et à la fin, Dieu a dit, bon, c'est bien, tu as fait ce que je t'ai demandé, mais je doute toujours de ta dévotion. Je requiers pour prouver ta dévotion un sacrifice, tu dois tuer ton fils. Et donc, voilà, elle a voulu tuer Isaac, et Isaac a réussi à s'enfuir dans une trappe. Et du coup, on va faire une nouvelle run, et alors vous voyez qu'il y a plusieurs persos dans ce jeu. Je vous expliquerai après la différence, hein, vous voyez qu'il y a des stats différents. Mais on va partir avec Isaac, pour commencer, hein, on va faire une petite run tranquille avec Isaac. Et donc le but, c'est simplement de survivre, vous voyez, le principe est très simple, on peut bouger, attaquer avec les larmes, c'est des larmes en fait, hein. Il attaque avec ses larmes, poser des bombes et récupérer des items qui auront des bonus divers et variés. Et le but c'est de finir, il y a je crois, comme j'ai déjà fini le jeu une fois, il y a un peu plus que 5 niveaux, mais il y a un certain nombre de niveaux à faire pour arriver jusqu'au boss final qui est la mer, où il faut vaincre la mer. Voilà, donc c'est un jeu qui est pas forcément évident. Et vous allez voir de suite que je suis pas vraiment très 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 bon à ce jeu. Je crois qu'en fait je l'ai fini que sur toutes les runs que j'ai faites, je ne l'ai fini que deux fois ce jeu. Donc bon voilà, c'est vraiment, c'est histoire de vous faire une petite vidéo détente comme ça, parce que je vous ai rien fait pour Noël. Donc du coup je vous fais cette petite vidéo détente qui j'espère vous plaira, hein. Si ça vous plaît éventuellement je pourrais vous en refaire d'autres, hein, y a pas de problème. Donc là on arrive déjà à la salle du boss, mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, à chaque niveau, il y a... Non, ça je vais pas le prendre. Alors je connais pas les effets de tous les bonus, mais ça je crois que ça permet, ça fait serpenter, mais... Quoique, si, je vais le prendre en fait. Voilà, vous voyez, ça fait serpenter un petit peu mes boules. Bon, ça peut être utile. Ouais, donc en fait, j'étais, il y a une amélioration pour Isaac à prendre à... dans chaque niveau, et c'est représenté par cette espèce de... Aïe.
de segments, segments dorés sur la carte. Donc on va aller là-bas, la récupérer. Et bon, c'est un jeu qui peut être assez gore, hein, ouais. Et un peu crade par moment avec des crottes, tout ça. Cunon, bon voilà, c'est un jeu très simple, hein. Le but c'est vraiment d'arriver au bout du parcours et de survivre. Ah, je vais me concentrer un petit peu parce que là je fais n'importe quoi. Et sachez que il y a des sites différents à chaque fois que vous lancez une partie. C'est-à-dire que les niveaux ne seront pas les mêmes à chaque fois que vous recommencerez. Donc si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un enchaînement de parcours assez facile avec des boss pas trop durs, etc. Et si vous n'avez pas de bol, bah voilà, vous allez devoir vous farcir les trucs difficiles. Donc au niveau des stats, vous voyez qu'on peut améliorer la vitesse de déplacement, le nombre de l'arme lancée, les dégâts, la chance, la portée et la vitesse de lancement. Et donc là, qu'est-ce que c'est que ça ? Toxic Blood, donc j'ai du sang toxique, je sais pas trop ce que ça fait. Peut-être que si les ennemis me touchent, ils sont empoisonnés. Quelque chose comme ça, on va voir. Donc évidemment c'est très punitif, hein. Si vous mourrez, bah, vous avez perdu, hein. Vous recommencez à zéro. Donc j'espère ne pas trop fail. On va voir, allez, premier boss, Dingle. Bon, c'est pas le plus dur, mais c'est pas forcément mon préféré non plus. Ouais, bah, ouais, ça commence bien. Ah oui, vrai, comme il m'a blessé, je laisse des traînées de sang, et si Dingle va dans le sang, il prendra des dégâts. Ah! Allez, va dans le sang. Voilà. Ah, mince. Alors, je pourrais poser des bombes, mais j'essaye de les économiser, on sait jamais, ça peut servir. Tirer dessus. Ah mais non, en plus je l'ai dit qu'il allait me tirer dessus. Oh. Je vous ai dit, je suis pas très bon à ce jeu, je suis plutôt même mauvais, hein. Donc on va voir si je pense pas réussir à finir, mais j'essaierai d'aller le plus loin possible pour vous montrer un peu ce jeu qui j'espère vous plaira, et si ça vous plaît vous me le dites en commentaire et je vous ferai peut-être d'autres vidéos si vous en voulez, vous me le dites, hein. Alors, HP up, tears up, shoot speed down. Donc en gros, vous voyez, je tire plus, j'ai plus de vie, je tire plus de boules, mais je les tire un peu plus lentement. En fait, ça se voit pas trop parce que comme j'en tire plus, on a l'impression que je tire plus vite, mais en fait non, je tire pas plus vite. Je tire juste plus lentement. Et en fait, chaque ennemi que l'on voit dans ce jeu, c'est une on le voit en fait, j'aurais pas dû vous passer la petite séquence entre les niveaux, mais en fait chaque ennemi dans le jeu représente quelque chose qui a traumatisé Isaac dans sa vie. Donc j'essaierai de vous montrer ça dans le prochain passage. Alors c'est quoi ça? He's greedy. Ah bon, bah, j'ai un ami avec moi. Ah oui, je crois que c'est un ami qui sert de leurre en fait, qui peut attirer les ennemis qui au lieu de me cibler à moi vont du coup cibler les autres. Bon, le E ça va, ils sont pas vraiment dérangeants pour l'instant. Voilà. Alors, tac 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 tac. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ah, et en plus il peut prendre les objets à ma place. Ah, c'est bien ça. Tiens, tu peux pas aller prendre les... Merci. Donc là à droite, bah je vais vous montrer, allez. Vous avez le magasin, donc contre des pièces, vous pouvez acheter différentes pièces d'équipement. Ou alors, vous pouvez stocker votre argent. Sachant qu'une fois qu'il est stocké, vous ne pouvez pas le récupérer. Hein. Mais ça permet d'améliorer le magasin et ça permet de débloquer certains personnages. Et donc, les personnages ont différents stats. Isaac, il a pas mal de vie, c'est-à-dire qu'il commence avec 3 cœurs. Il a pas beaucoup de dégâts et pas beaucoup de portée. Il y en a d'autres qui auront peut-être des stats un peu moins forts, mais qui auront des bonus. Par exemple, je pense à K1, qui est le personnage classiquement que les gens prennent. Pourquoi? Parce qu'il a la compétence Lucky Foot. C'est-à-dire qu'en gros, il a de la chance. Il peut trouver des objets... je fais n'importe quoi. Il peut trouver des améliorations et des objets beaucoup plus puissants, beaucoup plus facilement que les autres persos. Donc c'est assez... C'est assez intéressant, notamment il peut trouver pas mal assez facilement des clés, des trucs comme ça. Donc voilà, bon, là vous avez vu le boss monstro qui est pas vraiment un boss très très dur. Hein. Alors, speed up plus size down. Ouais, alors là par contre, ça peut être dangereux de faire ça. Ouais, voilà. Ah, ça c'est pas mal ça. Il accepte mon offrande, lui ou... Donc là, je crois que lui, ça fait que si je charge, je fais des dégâts, il me semble. Hein. Et j'ai eu une pilule
qui augmente ma vitesse de déplacement. D'accord. Alors faut faire attention quand vous prenez des pilules comme ça, parce que c'est pas garanti que la pilule ait un effet bénéfique, elle peut avoir un effet négatif. Mais ça on le sait pas forcément, sauf si on a le wiki à côté. Mais moi j'ai jamais joué avec le wiki, je joue sans le wiki. Et je trouve ça plus immersif. C'est peut-être pour ça aussi que du coup j'ai du mal, parce que souvent je me fais avoir avec les pilules. Allez, meurs. J'aime pas ces araignées parce qu'elles ont des déplacements assez aléatoires. Voilà. Alors le but, vous avez compris maintenant pour moi, c'est de trouver à chaque fois... Ah bah oui, non, vas-y, va prendre les bonus. C'est de trouver à chaque fois l'amélioration et ensuite d'aller au boss. Allez, va prendre, tu peux pas prendre les bombes? Tu prends que les pièces? Bon. Alors, je sais qu'il y a un cœur là, au cas où. Alors, il faut faire attention parce que dès que vous êtes en face, il vous tire des os. Aïe, et voilà. Ah, bah heureusement qu'il y a un cœur là-bas. Hein. Oh, mais... Oh, mais non. Oh, là, 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 là. Je fais n'importe quoi par moment, c'est... En fait, c'est pas forcément évident de commenter et de jouer à ce jeu en même temps, parce qu'il faut vachement être concentré pour pas se faire avoir. Voilà. Ah, oh, tout doux. Oh, 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 oh. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ah, vous voyez, ça a diminué ma portée d'attaque. Regarde, on va voir. Bon, ça va, j'ai encore une assez bonne portée, mais ça a diminué ma portée et j'ai pas la clé pour ouvrir ça. Ah, dommage. Alors je vais essayer de faire les autres salles, voir si je trouve une clé. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est que par exemple quand vous avez K1 avec son sac... Oh non, genre, je me fais avoir par des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Avec sa compétence Lucky Foot, vous êtes très rarement à court de clés. Parce que justement, ils trouvent des objets comme les clés et tout ça assez facilement. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer, je prends Isaac. Si jamais le concept vous plaît, que vous voulez d'autres vidéos là-dessus, vous me le dites et je vous montrerai d'autres persos. J'en ai débloqué quelques-uns. Alors lui, il faut que je fasse attention. Voilà. Allez, viens. Je vais essayer de prendre ce coffre, il y aura peut-être une clé à l'intérieur. Là aussi d'ailleurs. C'est quoi? Ah oui, ça c'est bien. Dommage réduction, ça c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une amélioration, ça se manifeste par un aspect physique sur Isaac. C'est pas mal. Fétale protection. Alors je sais pas trop ce que ça fait. J'imagine que ça doit me soigner ou quelque chose comme ça. Enfin, ou ça me... je sais pas trop ce que ça fait. En tout cas, ça doit être un truc de protection. Alors je vais quand même faire les autres salles que j'ai pas visitées. Parce que. Ah! Et j'avance trop vite et je me fais avoir bêtement. Parce que je disais, il y a peut-être une clé. Mais bon, si j'avance comme ça pour perdre des cœurs, c'est pas terrible. Alors là, à gauche, je vais pas le faire parce que c'est une salle de combat. Et j'ai pas envie, de toute façon, je peux pas rentrer. Et là en bas. Bon, ça va, ça devrait aller. Il y a pire comme ennemi. En fait, si vous vous souvenez, les gros ennemis que j'ai tués tout à l'heure qui pétaient au sol, bah, de temps en temps, quand vous les tuez, ça donne ces ennemis-là. Ils peuvent se décomposer, soit ils peuvent mourir en un coup, soit ils se décomposent en deux coups, ou en trois coups, ça dépend. Et là en bas nous avons... Allez viens. Voilà. Allez. Donnez-moi une clé, y a pas une clé dans un de ces trucs, hein, non? Non, bon, c'est pas grave. Bon, ben pas de clé. Tant pis, dans ce cas pas d'amélioration, on va directement au boss. En espérant que ce soit pas un boss très très dur. Tac 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 tac. Allez, c'est parti. Bon, ça va, Mega Fatih, c'est pas le boss le plus dur. C'est pas le boss le plus dur du jeu. Faut juste faire attention parce que moi, si je marche dans son sang, ben, je prends des dégâts aussi. Hein. Donc vous voyez, hein, ces attaques sont assez simples à éviter, il faut faire un petit peu attention. Mais... Mais dans l'ensemble, ça va. Hop. Alors, vous voyez ce que je vous disais, il faut pas marcher dans son sang. Hein. Et juste quand je dis ça, moi je fonce dedans. Oh là là là. Bon, il n'y a pas des cœurs au cas où là? Non? Oh là, oh là, oh là, tout du tout. Tiens, tu veux manger? Mange. Oh, mais non. Bon, ouais, je me suis fait avoir bêtement. Là, c'était le Fey Rage en puissance. C'est quoi ça?
Reutilisable Regeneration. Ah, c'est bien ça. Allez, je vous fais une deuxième run. On va se concentrer un petit peu plus. La première, c'était pour vous tout vous expliquer. Maintenant que vous connaissez les principes, on va la jouer plus sérieusement. Hop là. C'est quoi ça? Ma rage augmente. D'accord, je sais pas trop ce que ça fait, mais tant mieux. Hein. Bon, ça va, là, c'est des mouches. Yep. C'est pas les pires ennemis du jeu. Une clé, ça je garde. Je regarde quand même, des fois, sous, voilà, vous voyez dans les crottes, il y a des pièces, des trucs comme ça. Ça peut être utile. Et on arrive déjà au boss? Bon, c'est une petite zone, là, pourquoi pas. Ah, je sais pas ce que ça fait, ça. I found pills. Ouais, je sais pas trop ce que ça a fait. Alors, c'est qui? Ah, putain. Eux, j'aime pas trop les affronter dès le début. Ils sont pas très durs en soi, mais problème, c'est qu'au début, j'ai pas beaucoup d'amélioration. Donc je fais pas énormément de dégâts et du coup ça peut être assez punitif. Alors là je suis un peu coincé, vous voyez, parce qu'il y a le sang au milieu. Voilà, bah il fallait bien que je me fasse toucher, hein. Il y avait le sang au milieu, je pouvais pas passer sans me faire toucher. Alors je vais essayer de les attaquer de loin pour pas qu'ils me foncent dessus. Allez, il y en a un qui va peut-être bientôt mourir. Là ça va, je crains pas grand chose dans la mesure où j'ai le pouvoir de régénération au cas où. Si jamais ça va mal, voilà, il en reste plus qu'un. Et voilà. Tac. Speed up, size down. Bon. On dirait pas que je tire plus vite, hein, mais c'est pas grave. Ah, j'ai oublié de vous laisser la séquence encore une fois, bon. Faut que j'y pense après le prochain combat. Allez, eux ils ont peur de moi, mais faut faire attention parce que voilà, vous voyez, ils peuvent s'auto-détruire ou alors quand on les détruit, ils peuvent lâcher d'autres ennemis. Bon là ça va, ils lâchent que des bombes donc c'est pas bien gênant. Alors petite astuce, quand vous avez une salle qui est fermée comme ça, vous pouvez poser une bombe devant la porte, ce qui va permettre de déverrouiller la porte. Ça vous permettra, par contre faites attention parce que si vous revenez dans la salle, La porte se refermera de nouveau, hein. Donc il faudra une autre bombe pour la réouvrir ou alors éliminer tous les ennemis. Mais c'est bon à savoir si des fois vous êtes bloqué et que vous avez besoin de vous enfuir. Triple shot. Ah, bien ça. Vous avez besoin de vous enfuir, ben vous pouvez péter les portes comme ça. Par contre, j'aimerais bien un peu plus de vitesse là parce que c'est bien beau de tirer dans trois directions comme ça, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus tip top quoi. En termes de vitesse. Ça va, je crois que c'est peut-être les ennemis les moins pires du jeu. Oula. Allez, mourez. Voilà. Oula, bon, tu dégages. Et ben c'est bon, on va au boss. Dingle. C'est marrant parce que ce boss d'habitude je ne l'ai jamais. Et là, pour ça fait deux runs que je tombe dessus, c'est marrant. Voilà. Ah! Et il reste comme ça. Moi ça me va très bien. Je savais qu'il allait me charger, mais à cause de la petite crotte, j'ai pas pu l'éviter. Bon, c'est pas grave de toute façon, puisque je vais pouvoir me régénérer. Ah, pourquoi les boules sont plus grosses? J'ai gagné en dégâts. Ah ouais, j'ai gagné en dégâts, je sais pas pourquoi. Mes stats ont augmenté, ça fait quoi? Range up. Bon, bah je fais plus de dégâts et je tire plus loin. C'est pas mal. Alors, je vais vous laisser la séquence là. Donc, vous voyez, il s'imagine par exemple... Vous voyez, ses amis qui lui faisaient des farces en lui donnant des soi-disant cadeaux et dedans il y avait des crottes avec des mouches. C'est pour ça qu'il voit des mouches. Enfin, c'est pour ça qu'en fait tout est son ennemi. C'est vraiment des représentations de la vie réelle. Par contre, non, les dégâts, j'ai dû prendre un truc qui a augmenté mes dégâts temporairement, mais maintenant ça sert plus à grand chose vu que j'ai perdu cette amélioration. Alors ici c'est un cul-de-sac. Bon. Wow! Tout doux. Clé très important. Alors ces petits vers sont pas bien méchants, mais il faut faire attention parce que si vous êtes en phase 2, ils vont vous foncer dessus. En fait, il y a plusieurs types de vers. Ceux qui ont un visage comme ça, si vous êtes en phase 2, ils vous foncent dessus, donc faut faire attention.
Alors il peut y avoir des passages secrets, hein, des murs à faire exploser, un peu comme dans Zelda, pour trouver des passages. Mais là, vu la rareté des bombes et vu que je joue pas avec K1, je préfère éviter, oula, ce genre de... Enfin, de tenter comme ça, un peu au hasard, de trouver des passages secrets. Parce que souvent, il n'y a pas forcément toujours des trucs intéressants dedans. Hein. Voilà, là il y a un cœur au cas où. Là-bas, à droite, j'ouvre pas la porte parce qu'il y a un magasin. Vous voyez, c'est indiqué sur la carte. Hein. Quand il y a une espèce de losange comme ça, ça veut dire qu'il y a un magasin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? 48 heures d'énergie. D'accord, et ça? Ah bah vous voyez, là, je peux voir qu'il y a un passage secret. Donc oui, c'est pas forcément très intéressant. Hein. Là, j'ai récupéré une bombe, c'est sympathique, mais il y a pire. Ah, là, il y en a un autre. Nickel. Donc grâce à la pilule, je peux voir qu'il y a un autre passage secret là. C'est nickel. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, si j'ai besoin de me régénérer, il y a ce qu'il faut. Alors, ces pilules, elles ont l'air jolies avec ces couleurs là, mais... je me suis souvent fait avoir avec des pilules comme ça qui me baissaient. En fait, les plus punitives, en fait, c'est les pilules qui vous baissent la vie. Je vais essayer, hein, mais en espérant que... Ouais, ça va. Pretty fly. Donc là, j'ai une mouche qui me protège. C'est pas mal. Je vais juste casser ça, voir s'il n'y a pas des... On sait jamais, quelque chose. Non. Allez, prochain boss. Ah oui, lui, ça... Alors lui, il y a une petite technique pour lui faire la masse de dégâts. Voilà, quand il vous fonce dessus, mettez-lui une bombe. Un peu à la manière de Dodongo dans Zelda. Vous voyez ce que je vous disais d'ailleurs, les petits vers avec la tête comme ça qui vous chargent dès que vous êtes en face. Bon, il est pas très dur comme boss, hein. Ce qui est chiant en fait, c'est qu'il faut, comme il peut réinvoquer ses petits vers, il faut le gérer à lui et gérer les petits vers en même temps. Mais heureusement, quand il leur fonce dessus, ça les tue à eux aussi. Et faites attention parce que quand vous tuez un boss, vous n'avez pas gagné. S'il y a d'autres ennemis dans la salle, il faut tuer les autres ennemis aussi. Sinon, ah, sinon, bah ouais, vous l'avez dans le baba. Speed up, ouais, bon, j'aurais préféré un damage up, hein, très honnêtement, mais bon, ça peut être pratique aussi. Allez, quatrième zone. J'ai toujours pas utilisé mon pouvoir de régénération, c'est pas mal. Ah, là il faut faire attention. Voilà. En fait, il faut faire attention parce qu'eux ils se mettent à vous cracher des boules dès que vous les attaquez. Bon, ça, les mouches violettes, c'est pas très dangereux. C'est des mouches qui se mettent en cercle comme ça et qui tournent en rond, c'est pas. Il y a plus dangereux, on va dire. Là, parfait, j'ai une clé pour l'amélioration. Par contre, j'aimerais bien un peu de vitesse d'attaque, hein, parce que c'est bien beau de tirer dans trois directions, mais vraiment en termes de vitesse. C'est quoi ça? Double shot buddy. Ah, bien! Donc lui aussi il tire des boules, donc je tire 5 boules maintenant, c'est bien ça. Alors les flammes rouges comme ça, faut faire attention parce qu'elles vous tirent dessus. Elles tirent pas souvent, mais si vous êtes trop près, elles vous tirent dessus. Faites attention. Hop là, vous dégagez les mouches. Voilà, une bombe. Hey, j'ai dit une bombe, je prends. Hop. Allez, en haut. Voilà. Et c'était pas la bonne direction. Ah! Oh, mais en plus, je fonce en plein dedans. Bon, ceci dit, je récupère une clé, donc c'était pas forcément un mauvais change. Alors là, il faut que je fasse attention, parce que là, vous voyez, la larve noire, elle va, quand je vais la tuer, elle va exploser. Voilà, donc il faut pas être à côté. Les ennemis noirs, en général, ils explosent. Les rouges, ils vous lâchent des boules quand ils meurent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, ça peut être intéressant d'ouvrir les trucs, là, mais... Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Comme il dit, il y a des bleus et des jaunes, mais je sais plus ce qu'ils font. Les verts, ils sont empoisonnés. Alors ça peut être intéressant d'ouvrir ça parce que souvent, il y a marqué que c'est des magasins, mais souvent c'est pas des magasins, mais c'est des endroits où vous avez des bonus. Alors est-ce que je prends le risque? Allez, celui-là. Je prends le risque. Et bah, ouais, je me suis fait avoir. J'aurais pas dû prendre celui-là. Bah tiens, pour la peine. Voilà. Je récupère au moins une clé. C'est toujours ça.
Alors, eux, ils explosent pas, mais ils tirent en diagonale. Donc il faut être sur l'horizontale et vous craignez rien. Donc là, c'est un magasin normal. J'ai presque envie de l'ouvrir pour aller acheter... C'est quoi ça? Iteman Purity. Ouais, alors il émane de la pureté. Ouais. Et est-ce que ça change quelque chose? 3, 3, 1, 2, 2, 1... 3, 3, 1, 2, 2, 1, non, bon, je sais pas ce que ça fait, écoutez, on va garder ça. Ouais, je disais, le magasin, je vais pas l'ouvrir, parce que si j'ai besoin de clés pour des améliorations, on sait jamais. Mais disons que j'aurais peut-être pu m'acheter... Ah bah, oui, si, alors j'ai une deuxième clé, donc j'y vais. J'aurais peut-être pu m'acheter un cœur, mais en fait, je ne peux pas, c'est bien dommage. Un cœur argenté. Cette clé, elle est pas mal aussi, mais, pour ouvrir les portes, mais bon, c'est pas grave, on va mettre les pièces de côté. On sait jamais, je débloquerai peut-être quelque chose. Ah bah voyez, a black candle has appeared in the basement. Donc une... je sais pas à quoi ça sert, hein, une bougie noire, mais... Oh mais non. Pff. Oh je fais n'importe quoi, bon. Bon, lui il est pas très très dur non plus, il faut juste faire un peu attention. Il faut surveiller sa tête en fait. Quand il rentre à l'intérieur de cette masse machin, il va aller dans votre direction pour vous tirer, bah, comme vous avez pu le voir, des boules. Donc faites attention, mais si vous surveillez, ça craint pas grand chose. Hop, oui. Il suffit de faire attention. Alors il y avait un bug apparemment dans l'ancienne version qui faisait que si on se mettait derrière ce boss, bah, on craignait rien et on pouvait le canarder tranquillement. Mais maintenant ils ont corrigé ce bug, on peut plus le faire. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Voilà, il est pas très dur en soi. C'est un adversaire que Feyrage peut gérer. Aïe, juste quand je dis ça, évidemment. Voilà, et... Ouais, voilà, donc là, j'ai eu deux cœurs d'argent. C'est pas mal. Mais l'inconvénient, c'est que si je perds ces cœurs, bah, je les ai perdus définitivement. Je peux pas les regagner. Faut faire attention. Bon, voilà, je vais en profiter pour me soigner un cœur. Comme ça, quand je tue des ennemis, ça va recharger ma barre de... Ma barre, en fait. Alors, tac. Oh là là, eux j'aime pas parce qu'en fait, quand ils meurent, ils laissent un espèce d'amas au sol et il faut détruire cet amas sinon l'ennemi se régénère. Mais c'est pas toujours évident parce que vous avez les autres qui sont toujours au milieu. Allez, c'est bon. Une autre clé, très bien. Ah! Non maman, j'ai été gentil maman. Quatre mains. Faut pas déconner, oh. Bon, on va peut-être pas aller là tout de suite. Quatre mains. C'est la première fois que j'ai quatre mains. D'habitude, il y en a deux. Je savais pas que maman avait quatre mains. Donc, vous voyez, eux, quand ils vous pètent dessus, c'est pas bien dangereux. Hein. Faut faire attention parce qu'au bout d'un certain temps, vous voyez, comme là, ils finissent par tirer des boules. Et les bouboules, c'est pas bon, les bouboules, n'est-ce pas? Voilà. Et toi, pourquoi tu es bleu? Qu'est-ce que ça fait? Alors des fois les bleus quand vous les tuez ils vous donnent des petites mouches de protection, mais c'est pas tout le temps. Bon eux ça va, ils sont... Alors eux il faut se méfier. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous les tuez ils font apparaître... Au lieu de mourir ils font apparaître un squelette. Et le squelette vu que vous êtes en face... Oh, oh. Vu que vous êtes en face disais-je, il va vous canarder avec un... Voilà. Avec un os. Donc il faut faire attention. Quand c'est des mouches ça va, mais quand c'est des squelettes, ça va moins. Eh, ils ont une vitesse d'attaque ces trucs, c'est fou quoi, je me rappelais pas qu'ils avaient... Alors la première run que vous ferez sera plus simple, hein. Il y aura moins de niveaux que ça. Normalement je crois que là vous arriverez au boss à peu près. Hein. Mais après ça devient de plus en plus compliqué, c'est pour ça que je n'en ai fini que deux. Enfin 2 plus un challenge. On peut compter ça comme une run quand même. Parce qu'après vous avez pas que le mode histoire comme ça, vous avez aussi des challenges où vous avez des handicaps et des trucs comme ça. Et évidemment je me fais toucher. Alors, j'ai pas eu l'amélioration, ça m'embête un peu. Pas de squelette, pas de squelette, pas de squelette, pas de squelette. Il a fallu que je dise ça pour avoir des squelettes, évidemment. Voilà. Une bombe. Et là, il y a le boss. Bon, j'ai pas eu l'amélioration. Ouh. J'aimerais bien l'avoir ce pouvoir, il est assez pratique d'ailleurs.
La deuxième run que j'ai fini, c'est grâce à ce pouvoir laser. C'était assez cheaté. Est-ce que je tente l'amélioration? Non, allez, je vais au boss directement. War. C'est pas le plus facile, mais c'est pas le plus dur non plus. Il faut faire attention. Alors là, il faut faire attention parce qu'il va charger. Voilà, là, on sait pas trop où. Alors c'est bon quand vous le voyez, faites attention parce que une bombe qui explose, ça va propulser les autres. Donc faites attention à pas vous prendre la bombe qui vous fonce dessus, on sait jamais. Oh non, j'aime pas quand il fait ça parce que là, on en a pour un moment maintenant. Allez, arrête-toi. Voilà. Voilà. Yeah, tac, c'est bon. Je lui fais pas grand chose en termes de dégâts. Il me faudrait vraiment. Combien j'ai? J'ai que 2 barres en même temps. Il me faudrait vraiment un damage up. Hein. Damage up. Voilà. Hop. Ah, loupé, dommage. Tac, touché. Et là, il s'arrête. Voilà, maintenant ça va, il va être plus facile. Il va vite, mais il suffit de tourner en rond et de lui tirer dessus, ça va. C'est pas très dur à partir de là. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le plus facile, mais si vous passez la première partie, ensuite le reste, il suffit de courir un petit peu et y a pas de problème. Et voilà. Et ça, ça fait quoi? Gotta lick them all. Ok, je sais pas qui tu vas lécher, mais bon, pourquoi pas. Allez, avant-dernière zone. J'évite les trucs là, comme ça. Là, par exemple, si vous entrez dans cette zone, eh ben, vous perdez un cœur. Et si vous ressortez, vous perdez un cœur. Donc le bonus peut être intéressant, mais vous perdez 2 cœurs. Donc faut faire attention. Et là, évidemment, je suis dans une zone où en plus je ne vois pas mes cœurs. Donc il faut que je fasse encore plus attention. Alors là, c'est nickel. On va prendre ça déjà. Et ah, je vois tout. C'est bien. Je peux voir tous les passages secrets maintenant. Ah. Alors on va tenter. Lockdown. Bon, ben voilà, j'ai plus de chance. Et ça. Range up. Donc ma portée augmente mais ma chance a diminué. Ça c'est dommage. Alors je voulais vous montrer. Là-haut vous pouvez prendre aussi des parchemins. Je vais le prendre. Qui peuvent vous aider. Ce magicien. Je sais plus ce qu'il fait le magicien. Mais je vais quand même le garder. Bah tiens, pour eux. Allez, pour vous montrer. Ah oui, ça fait que je n'ouvre pas mes cibles. C'est ça, c'est ça. Je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà, allez hop, disparaissez. C'est pas mal ces lunettes, j'avais jamais eu ces lunettes. C'est plutôt pratique pour voir tous les passages secrets. Alors, eux ils sont pas très durs mais ils peuvent être pénibles. Mais comme ils sont bêtes, ils ont été sur les pics. Et du coup, c'est tout bénef pour moi. Oh là, ah non, j'aime pas eux. Alors voyez, ceux qui volent là, je peux pas les tuer. Lui en revanche, je peux rien faire tant qu'il a pas levé, il monte pas son coup. Voilà, et ensuite les autres ils meurent tout seuls. Aïe 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 aïe. Allez, voilà. Donc ça c'est fait. Je sais pas combien de cœurs j'en suis là, faut que je fasse attention. Allez. Voilà, alors on va faire attention à pas se les prendre dessus. Il charge 2 fois normalement. Il suffit que je le dise pour pas qu'il fasse. Excusez-moi. Et là vous voyez qu'à gauche il y a un passage secret apparemment d'après les lunettes. Voilà. Tac, et nous avons... Ah, un cœur noir. Ça peut être pratique ça. Oh non! Et pourquoi t'as pas chargé? Bon, c'est pas grave, il s'est fait avoir quand même. Voilà, je n'utiliserai que 2 bombes sur lui parce que maintenant je lui fais pas mal de dégâts avec toutes les boules que j'envoie. Une fois j'avais eu les dommages presque au maximum et la vitesse presque au maximum. Pas la vitesse, le nombre de boules envoyées presque au maximum. Donc ça faisait un truc absolument ahurissant. Le boss final il n'a pas duré 2 secondes. Allez, on va aller par là. C'est pas le bon chemin, mais eux, c'est pas les pires. Ils sont un peu rapides, mais il suffit de bouger. Voilà.
une autre clé, et donc le boss doit pas être bien loin. Ah, les fantômes. Bon, les fantômes sont pas durs, hein. Le seul truc gênant, si vous voulez, c'est qu'on sait pas trop où ils vont apparaître. Voilà, là par exemple. Aïe. Alors, où est-il? Où sont-ils? Et l'autre, où il est? Voilà, il est mort. Le boss? Oui, le boss. Alors, eux... Oh, bon, eux, je vous laisse deviner comment on les tue. Allez, tourne. Voilà. Il doit être pas loin, le boss. Ah, il faut faire attention. Ils sautent et ils envoient des bouboules. Je me suis pris en plein dedans. Et je me suis pris le sang. Alors là, je suis obligé de me soigner parce que je sais pas combien de cœurs il me reste. Et vu que j'ai pris pas mal de dégâts, on sait jamais. Alors, le boss arrive. Très bien. Ah, mais... demi-cœur, c'est toujours mieux que rien. J'aurais presque envie d'essayer de faire exploser les rochers, voir si je trouve pas un cœur. On sait jamais, hein. je vais le faire parce qu'on sait jamais. Imagine, si je trouve un cœur, ça me pourrait m'être utile quand même. Non, bon, tout ça pour rien, tant pis. Oh non, déjà! Alors, ça, c'est le boss final de la run 1. Mais comme là, bah. Comme là, bah. C'est plus la run 1. Il y a plus de boss que ça. Enfin, le boss arrive avant. Alors là, il faut faire, il faut toujours rester en mouvement pour éviter les ennemis et éviter les le pied de maman. Parce que le pied de maman, il fait mal. Hein. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire. Oh, et pas trop s'approcher des murs non plus, hein. Atte. Bah voilà, je suis mort. Bon, bah écoutez, c'était Farage sur. Oh mon dieu, sur Binding of Isaac. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire, je vous referai d'autres vidéos. D'ici là, laissez un petit pouce bleu, salut tout le monde.